Bon, nous voilà repartis pour cette suite de l'épreuve Nymphalie sur Pokémon X. On va bien voir ce qui va se passer. Ouais, j'ai pas pensé à vérifier pour le time. Parce que là, il est 13h50, hein, donc c'est normal qu'il fasse bleu. Tiens, j'ai toujours voulu te dire quelque chose. On se connaît pas depuis longtemps, mais bon. Énorme. Et honnêtement, ouais, enfin, un feu d'artifice le jour, voilà quoi. On le voit pas. Ouais, honnêtement, ça fait chier, quoi. J'ai oublié de me renseigner sur le time of day, là. Et c'est normal que ce soit tout noir, la rambarde. Ça, là, en bas. C'est tout noir. Les montagnes, tout ça, là. Ouais, bien. Ouais, ça, là, la rambarde, c'est normal que ce soit tout noir. Même au début du jeu, là, quand elle nous attendait avec Serena. Peut-être des problèmes d'émulation, hein. S'il faut, c'est pas parfait. Je n'oublierai jamais ça. Tenez, je vous donne protection. Donc honnêtement, c'est con. J'ai oublié de me... On n'a pas oublié quelque chose. Un gros patapouf. C'est... Je sais pas si c'est un problème d'émulation, si c'est normal, je m'en souviens plus, quoi. Parce que je sais que dans Sun and Moon, y a un système très bizarre par rapport à ça. Vous verrez. Selon que vous choisissez... Ah, c'est pas encore maintenant? C'est quand qui donne protection? Monsieur! Ça me dit quelque chose! En plus, là, c'est... Voilà, ça, là. Ah, abri! Il va nous en donner 3. Protection et... Hein? Juste abri? Mais putain, il me semblait que c'était protection. Quoi? Je me suis trompé. Bon, allez. Tout fout le camp, c'est n'importe quoi. Tout part en couille, là, chez le L4. Là, j'ai acheté un PC à... un micro à 135€. Mais je l'utilise pas, hein. Pas encore. Il faut que j'ai le truc anti-bruit d'abord. À acheter séparément, évidemment. Hein. Pourquoi se priver? Et honnêtement, bah, je suis déçu. Je le voulais pas forcément pour les vidéos. Hein. Pour parler en temps normal, celui-là, ça me suffisait. Oh, il a disparu tout seul, bien joué. Mais je le voulais pour parler à distance, en fait. Putain, c'est où la sortie? On va encore être coincé, c'est génial. Mais, c'est sûr qu'il faut monter, là. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Putain, mais c'est pas possible! Comment on sort de cet endroit, déjà? Je suis coincé, alors que normalement, ça devrait pas être sorcier, hein. Mais! On n'arrive plus à sortir! Ah, voilà, ici. Entre ça, plus le chien de la dernière fois... Ils n'ont pas une pluche. Bon, maintenant qu'on a la Pokéflux, on va pouvoir réveiller Ronflex. C'est assez énorme, je dois dire. On va pouvoir continuer notre aventure. Et ouais, franchement... merde, pourquoi je suis... Ah, mais on l'avait oublié, celui-là. C'est pas ici que je voulais venir, mais... ça nous a quand même permis de... De ramasser cet objet. Ouais, je pense que je vais éviter les combats aléatoires, hein, à partir de maintenant. Si on en a besoin, on y retournera, mais là, pour moi, on est trop en avance. Hein. Niveau 21, ce stade du jeu, c'est un petit peu n'importe quoi. Même le prochain champion, s'il faut. D'ailleurs, vous avez vu, quand on a gagné le premier badge, le badge insecte, là, j'ai fait, comme d'hab, hein, dans les épreuves, j'ai mis le badge en haut à droite, là, l'interface. L'image, tout ça, là, avec le ting. Et ça m'a spoilé, hein. Ben oui, du coup, j'ai dû prendre les 8 badges, comme d'hab. Là, vous les voyez en noir, et même comme ça, vous pouvez deviner, je suppose. Mais, ouais, la dernière fois, je disais, je sais plus ce qui nous a empêché d'y aller, ben c'est Ronflex, voilà. Et, ouais, c'est la misère, hein. Tut. On l'a emprunté, mais on va la garder quand même. Donc ouais, il va nous attaquer. Il va être chafouin.
Et ouais. Le même thème que le jeu original, c'est assez énorme. Il s'est endormi aussitôt. Ah ouais, quand même, il faut l'affronter. Donc en temps normal, faut sauter sur l'occasion pour le capturer. Hein. C'est probablement une... tu vois, niveau 15, c'est n'importe quoi, là. Alors, est-ce que c'est une éponge physique ou spéciale? Je crois qu'il est spécial. Oh putain! Bécitrus. Ouais, c'est ça. Encore heureux, hein. Prends ça! Wouah! Putain, ça fait bizarre de voir autant de dégâts avec un simple météore sur un ronflex. Tiens, prends ça, attaque spectre! Ça peut paralyser, ce truc. Et évidemment, ça ne loupe pas, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait? On le met KO? Ouais, il attaque en premier maintenant, hein, parce qu'on est paralysé. Hein. Ça baisse la vitesse, et la brûlure de son côté, ça baisse l'attaque physique. Hein. Mais il n'y a rien qui baisse l'attaque spéciale. Hein. Les altérations d'état, bien, splendide. Ouais, c'est pourri, hein. Franchement. Il a disparu, peut-être qu'il reviendra plus tard. Oui, parce que dans ce jeu, au moins avec les légendaires, les deux légendaires qui sont sur la jaquette, comme d'hab, eh bien, Xerneas et Yveltal, eh bien, si tu les mets KO, ils reviennent plus tard. Hein. Ils sont pas perdus définitivement, comme avant. C'est fait pour faciliter, encore une fois. Mais lui, je sais pas. Ça m'étonnerait, quand même. Bon, c'est pas grave, allons-y. Mais franchement, je pense que je vais... Tut ! Oui, c'est la pension. Tu vois, tu fais deux pas et ça recommence. Ça, c'est pour élever les Pokémon, hein, c'est totalement énorme. Pour obtenir des œufs. Il y a un PC, mais il n'y a pas de centre Pokémon, hein, donc... En fait, tu donnes deux Pokémon, comme d'hab. Une prochaine fois, merci. Pour l'instant, j'ai pas de Pokémon que je peux... je peux donner ici. Bah, elle, là, tu lui donnes un Pokémon mâle et un Pokémon femelle, ou... n'importe quel Pokémon plus métamorphe, à partir du moment où il a un sexe, donc pas de Magnéti ou Voltorb, par exemple. Et... ensuite, tu vas à l'extérieur, et tu vas parler à lui, là. S'il est tourné, tu vois, là, pour l'instant, il est tourné comme ça, là, vers le haut. Il regarde les deux psy-tigris. Et s'il est comme ça, ça veut dire que t'as un œuf. Mais en temps normal, faut recommencer un nombre incalculable de fois, hein, jusqu'à ce que t'obtiennes le genre désiré, la nature désirée, des IV pas trop dégueulasses, etc. C'est un cauchemar, hein, en temps normal. Et évidemment, t'as plein de trucs pour améliorer les chances d'avoir un œuf. Si tu utilises un Pokémon étranger, c'est pas pour rien que tu vois pas mal de métamorphes, en fait. T'as un métamorphe japonais qui veut un métamorphe anglais, par exemple. Bah là, c'est tout bénef pour les deux, voilà. L'américain, il aura un sandwich américain. Ça, c'est pour enlever la paralysie. Que je vais me soigner. Il aura un japonais et vice-versa. Et t'as plus de chances d'avoir un œuf dans ces cas-là. Et t'as aussi plus de... Oh putain, la vache, on a fait un départ canon, là, j'ai pas compris. Aussi, ben, t'as plus de chances d'avoir un œuf si les idées sont différents. Eh oui. Mais ça, si tu fais un échange, y a pas de problème. Hein. T'as les deux en un coup. Voilà, c'est elle, la peintre que je te disais, là. Et eux, on les voit. C'est splendide. Oula, regarde, t'as vu? La vue qui change, là. Elle est plus de côté, plus horizontale. Oh merde, ah ouais, eux aussi c'est en duo comme d'habitude. Voilà, bien joué, on a réussi à esquiver les combats. Ça je crois que c'est le manoir de combat. Voilà, le château de combat. En fait, c'est différent de d'habitude. J'espère que ça me reviendra en mémoire. C'est pas vraiment... Tut! C'est un peu... Quoi, t'as pas de titre? C'est pour t'entraîner, c'est pour gagner des niveaux, quoi, voilà. C'est, Pennyworth. Alfred Pennyworth dans Batman. Oh, bien, baron. Oui, voilà, tu deviens baron, comte, prince, etc. Plus tu fais de combat. Il faut, c'est une espèce de version de la tour de combat, mais en version inférieure, entre guillemets. C'est vraiment un truc que tu peux faire dès le début, ou presque. Et pour gagner des niveaux, mais c'est évident que nous, on n'en a pas besoin. On est déjà trop en avance. Tut ! Allez, je vais me mettre en mode sauvegarder.
Ouais, honnêtement, je sais pas. Donc du coup, parce que là, ça m'obligerait à jouer jusqu'à 22h pour vraiment être sûr que la nuit ne tombe pas. Un combat à 4, un Battle Royale avant Sun and Moon. C'est l'une des nouveautés de ce truc. 2x2, c'est ça? Sérieux? Oh putain, c'est énorme! Ouais, quand même, il y en a un qui en a deux et un qui en a que un. Donc l'idéal, c'est de focus celui qui en a que un et je pense que c'est Ekrapince. Ouais, sauf que moi, j'ai qu'un seul Pokémon, hein, Jackie. Oh, regarde-moi ça, on est beaucoup trop overlevel, c'est pour ça que je vais éviter les combats à partir de maintenant. Par contre, la bonne nouvelle du jour, c'est Météor, hein, ça va toucher tout le monde, regarde, tu vois. Quand il y a le trait jaune, ça veut dire que ça touche que ces deux-là. Et si ça touchait les trois, donc comme le passe rouge, il y aurait un trait jaune de Ekrapince à passe rouge. Et comme avec séisme, encore une fois. Mais le fait qu'il ait vol, ben, ça fait qu'il aurait esquivé, en fait. Mais il aurait pas esquivé Météor. Prends ça, saloperie. Vive attaque, maintenant! Il serait peut-être temps de faire évoluer vos Pokémon, les mecs, là. Prends ça. Ben, alors, tu vois, c'est complètement cheaté. On a tué les deux en un coup, quasiment. On a des petits coups de rame. Et non pas des coups de latte. Bon, là, ils vont en envoyer qu'un, hein, du coup. Tu vois, c'est lui qui en a deux. Et l'autre, il en a plus. Il en avait que un. Mais Météor, c'est complètement cheaté, hein. C'est notre attaque la plus puissante, hein. Pour l'instant. Prends ça. Vu qu'elle est spéciale, elle est considérée comme... Elle est augmentée de puissance, considérée comme attaque fée. C'est complètement pété, ce truc, hein. Et voilà, niveau 22. Même malgré ça, tu vois... Là, le prochain champion, même lui, on va être supérieur à lui, hein. Bien. On a fait équipe avec elle. Au fait, j'ai la pièce rune, là. C'est pour ça que j'ai gagné 6000 ou j'ai gagné 12000. Merci pour ce moment, les amis. Roche sur griffe. Ouais. Je me suis spoilé, hein, les prochains badges. Même vous, en voyant que le noir et blanc, vous pouvez deviner, mais... Ouais, mais ce qui fait chier, c'est que... Dans les routes comme ça, là, qu'on va esquiver, il y a des dresseurs, mais il y a aussi des putains d'objets à ramasser, là. C'est pour ça que ça fait chier de pas y aller, en fait. Je vais essayer d'avancer... Ça l'a enlevé, le truc. Hein? J'essaie d'aller vérifier. Caf connecteur. On est un connecteur. Là, je suis sûr qu'il y a un truc, là, dans les buissons. Je vais y aller. Bien joué. Une horde de... De psychopathes. Ah, il le fait 20 fois, là. S'ils le font tous, on est mal barré. Regarde-moi ça, là. Donc tu vois, ils l'ont fait que, ça l'a mis que 4 fois, ciel gris, alors qu'ils sont 5. Ça veut dire que le 5e, ben, il a pas ciel gris, il a autre chose. Ça peut être une bonne idée de le... Ouais, bien, une baie. C'est pas trop mal, je suppose. Les baies, Oh, bien, un autre, là. Bon, à la revente, ça, je suppose. Elle repop chaque jour, non? Je sais plus. Ah! Fallait qu'il mette un autre combat. Donc ça peut te permettre de voir si un Pokémon, si tu veux, un Psychoquack avec pas ciel gris, mais l'autre, je sais plus ce que c'est, bah tu... ouais, mais par contre, pour savoir lequel c'est, sur les 5, là... Ah merde, il nous faut coupe. C'est vrai, putain, depuis tout à l'heure, là. Il nous faut un Pokémon de brin. Je vais aller à la pension. Il me faut... Ah ouais, mais non, je vais déclencher ce combat de merde, là. Avec ces deux trous du cul. Il me faut Salamèche. Je vais lui mettre... Force, coupe et ce genre de truc. Tut tut. Tu vois? La coupe, c'est un peu comme griffe. Je sais qu'il peut au moins apprendre griffe et... Enfin, coupe. Et on va faire des coupes dans le budget. Et je sais plus quoi. Alors voilà, tu vois, ça apparaît en bleu, hein, les CS. Ah, moi aussi! Avec Nymphalie. Alors je vais le mettre à la place de Griffe. Normalement, c'est plus puissant. Faut voir. Ouais, c'est ça. Mais 5% de chance d'échouer. Ça aussi, ça a été up, hein, normalement, coupe. Allez, j'y vais. Ouais, j'étais en train de vous parler de plein de trucs, là. Donc là, là, on est quoi? On est mercredi, pour moi. Et le truc, je le reçois lundi prochain, c'est ça? Ah merde! Il a pas déclenché le combat. Je vais essayer d'esquiver ces deux trous du cul. Voilà, bien joué.
le cache pour le micro, parce que sinon ça crachote, c'est pour ça que je l'utilise pas tout de suite, hein. Le micro Yeti. Mais il enregistre mal à distance, hein. Et moi je le voulais surtout pour... J'ai vu un tuto, le mec il a dit 20 cm maximum. Bah ouais, mais moi, c'est limite le double, hein, même plus, hein, que j'aurais voulu. Un truc pour parler à distance, en fait. Et ça me fait chier, putain. Entre nos sphères à petits. Ouais, mais tu vois, là, c'est pour ça que j'aurais voulu un code pour traverser les murs, en fait. On va être trop overlevel, hein. Voilà. Un éleveur. C'est pour ça que... C'est pas pour tricher, hein. Regarde-moi ça, 4 Pokémon, là. On va se prendre trop de points d'expérience, hein. Peut-être que si j'active le multi-exp, Salamèche va s'en prendre, et peut-être que nous, on en gagnera deux fois moins à cause de ça. Regarde-moi ça, c'est ridicule, là. Faut pas qu'on soit trop overlevel, hein. Il y a un truc que je peux faire, sinon, mais c'est un petit peu débile. Je peux baisser mon niveau. Avec Et il est probable qu'on va le faire, hein, d'ailleurs. Si je vois qu'on est complètement pété par rapport au prochain champion, faut qu'il y ait du challenge, hein, sinon n'importe quel crétin peut être niveau 50 et one-shot les... Oh putain, ok, d'accord. Prends ça ! Et one-shot des Pokémon de niveau 12, hein. Ça n'a aucun intérêt. Vive attaque ! Maintenant ! Bon, je crois qu'on l'avait fait d'ailleurs, hein, dans les précédentes épreuves, dans certaines d'entre elles. Voilà, on passe de Star Wars à Pokémon. Le Hellcat toujours sur les bons coups. Prends ça. Non mais là c'est ridicule, on a le double des niveaux quoi. Y a aucune difficulté, c'est naze. Pikachu. J'ai pas dit que je voulais changer, c'est quoi ces conneries là. Tiens, je vais t'apprendre. Ouais. Là, c'est David contre Goliath, hein, j'ai envie de dire. Enfin bref, voilà. C'est vrai que je me suis pas renseigné sur cette histoire de time. Frigga. C'est le nom de Freya. Là, il faut force, hein, pour passer ici, là. Ce gros rocher, il faut le mettre dans le trou. Faut la CS force. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, c'est plus comme avant, avec des rochers ronds. Tu vois, comme là. Hein? Je peux pas passer, c'est quoi ces conneries, là? Allez, ok, d'accord, les combats aléatoires. Ça aussi, j'aurais bien voulu un collection replay pour virer les... pour supprimer les combats aléatoires. Ou alors, on se met les repousses à l'infini. Parce que ça, c'est vrai que c'est chiant, quand même. Et, ouais. Je vais prendre l'autre entrée, celle qui est en bas. Oh, bien! Coupenette! Qui évolue en Tranchodon, encore une fois. Et oui, c'est lui qui donne l'un des Pokémon qu'on avait utilisé. Allez, on y va. On était une brute. Je pense que c'est par là. Alors, est-ce que si je coupe ce machin... Il y en a d'autres, hein. Il y en a au moins 3 autres des arbres que, voilà, tu vois, maintenant que j'ai coupé, je peux passer. Qui nous permet de passer, maintenant. Ouais, bien. Poudre argentée, ça augmente la... C'est un objet à équiper. Comme le pic venin qu'on avait déjà eu. Qui augmente la puissance des Pokémon insectes. Tu n'es qu'un insecte. Est-ce que c'est par là? Putain, regarde-moi ça, là. Il n'y a que des combats à Gavas. Ou alors on combat avec Salamèche. Parce que lui, il est du bon niveau. Hein. Mais c'est juste pour éviter de... Oh, elle... Faut voir. Je vais... Bien. Ok, d'accord, c'est une infirmière. Je m'en doutais un peu. C'est un soin, même dans les... On a vu ça dans Black and White. C'est arrivé avec soit le 1, soit le 2. Et Quoi, c'est déjà fini? Bah putain. Tu parles d'un donjon, toi? Oh les mains, peau de lapin! Bonjour! Kalos, les voix... Bien! Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de Pokédex hein, dans X et Y. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon. T'as un Pokédex des montagnes, un Pokémon des côtes, ce qu'ils viennent de me rajouter là, Pokémon des plaines, etc. S'ils veulent. Mais il y a toujours le national, contrairement à Sun and Moon, malheureusement. C'est un petit peu la misère. Ouais, bien! C'est-à-dire, le national, c'est celui qui prend tous les Pokémon en compte et qui les met dans les bons chiffres depuis le premier épisode.
C'est-à-dire que Pikachu, c'est le numéro 25, alors que Akalos, par exemple, c'est le... Ils l'ont mis... 12, par exemple. Allez, bien joué! C'est pas ce que je voulais faire. Bleuet! Bon, ça, on craint rien, hein. Les dragons... Je vais activer un collection épée pour pouvoir s'enfuir contre les dresseurs. Ah, 19! Là, c'est un peu mieux, quand même. Niveau 19, quoi. T'as vu le gap? Le changement qu'il y a. Bien joué. Autre chose aussi qui est un petit peu étrange, c'est... J'ai cru remarquer dans les parties précédentes, la piste sonore de mon micro, donc mes commentaires, qui sont séparés de la vidéo. Je vais essayer de ramasser l'objet. Par là ou par là? Le sauvegarder avant. Eh bien, on entend le son du jeu. Je sais pas comment ça se fait. Hein. D'habitude, c'est pas comme ça. Hein. C'est peut-être parce que j'ai mis le son trop fort, en fait. Allez, on y va. Oh bien, un PV+. On pourrait le prendre, mais bon, c'est 4800 à la revente, hein, quand même. On pourrait le prendre, mais étant donné qu'on va modifier nos EV... T'es sûr que c'est par là, la suite? Je le connais très mal, hein, ce jeu, donc... Oh bien, des nirondelles. C'est un petit peu la misère, quand même. Oula! Mais des heures à s'enfuir. C'est normal, je crois. C'est contre les hordes. Voilà, faut la CS Force, encore une fois, pour pousser. Et pour pouvoir aller en bas, là, tu vois. Ce dresseur est possible de changer la place des poches. D'accord, ok. On va lui faire les poches. J'essaie de voir s'il y a des trucs là-dedans. Tu vois, ça permet de ramasser cet objet. Alors, j'avance très minutieusement. Pour faire un minimum de combat. Là, on va essayer de plus en faire jusqu'à... Jusqu'au prochain champion. Hein, qui sera de type roche. Voilà, comme le nom de la ville... Le laisse paraître. Tiens, c'est bizarre, ça. Oh, je suis sûr qu'il y a un objet caché ici, là. C'est pas grave. Allez, on y va. Fait chier, ces hautes herbes. On peut difficilement les éviter. Un Drifle Beam. Ouais, honnêtement, j'ai choisi Nymphalie à la place de Dimoclès parce qu'il est complètement pété, hein, ça n'a aucun intérêt de... Il est beaucoup trop fort, hein, je veux dire 150... Oh bien! En puissance, ça n'a aucun intérêt, je sais même pas si on aurait eu besoin de la forme défensive, hein. On serait resté en forme offensive et... Alors, comment je vais faire pour choper cet objet? Là, tu vois, c'est un truc un petit peu qui change, là. Voilà. Une pierre plante, pour faire évoluer certains Pokémon plantes. Ça n'aurait aucun intérêt, on aurait sweep tous les Pokémon les uns... Enfin, ça aurait été tout ou rien. Ça aurait été... L'offensif au détriment de... Bien. Plus ou moins ça que je voulais faire. Au détriment de la défense et vice-versa. Mais je sais pas si la forme défensive, ça aurait été vraiment utile. Mais c'est vrai qu'il est complètement pété. Il a été nerf, hein, dans Sun and Moon. Serena, je suppose. Parce que voisin. Bien. Le bureau d'études, les fossiles, les méga-évolutions. On est obsédé par les méga-évolutions. On veut le savoir. Je sais pas si on les utilisera dans Sun and Moon. Parce qu'en fait, on les obtient, mais beaucoup trop tard, quoi. Après avoir fini le jeu, je crois, donc c'est complètement con. Par contre, peut-être qu'on peut les utiliser dans l'autre, du coup. Pokéball, Super Ball. Je sais pas. Je pourrais pas vous le dire. Parce que c'est quand même con de pas les voir. Bureau d'études, restauration des fossiles. Vieux fossiles. Ah, c'est clair, je me suis spoilé sur les prochains champions, hein, le type qui sont. J'avais oublié, hein, et là, maintenant, je les connais presque tous. Matière, la vitesse supérieure à 24. Un Pokémon rapide, ouais, tu vois, elle demande des trucs différents chaque jour. Et nombreux, la région. Et ouais, c'est ça la misère, hein, franchement.
J'étais en train de parler de plein de trucs. Les nouveautés de ça, je m'en rappelle plus du coup. Un que l'horreur. Il a été effacé, c'est vachement pratique. Qu'est-ce que c'est que ça? Client, objet rare... Mais je te le donnerai pas! Na! Mais peut-être que c'est pour nous dire que si on parle au client en question, il nous le donnera aussi. Oh bien! Force nature! C'est un truc qui change selon le truc, non? Voilà, en fonction de l'endroit où elle est utilisée. Quand t'es dans les marais, ça utilise une attaque de terre, une attaque de plante quand c'est à la forêt, je suppose. Mais ça, ce truc, il faut le maîtriser. Et les ressources thermales... On est à Verbilava. Peut-être qu'il y a le mec avec les Ofriora. Ouais, c'est ça, c'est lui, regarde. J'ai envie de sauvegarder avant, quand même, pour voir. Est-ce que c'est différent à chaque fois quand on lui parle, là? Le chemin... Est-ce qu'il va nous donner le truc de défense spéciale? Certains entre eux... Tiens, je te le donne! Pour l'instant, on l'a pas encore utilisé. Bien, c'est ça. Apparemment, il sera dans toutes les... Tous les hôtels. C'est splendide. Mais si on veut les faire évoluer, il faut les utiliser. Et on le fait jamais, là. Si on veut les faire passer niveau 1, ça gagne des points d'expérience. Ça remplit une barre à chaque fois qu'on l'utilise, je crois. Je sais plus trop. Bon, allez, je vais au machin. Là. C'est un peu dommage, quand même. Est-ce que tu es venu, le bureau d'études? Y a rien ici, là. Un PC. Toi! Deux secondes! J'ai pas le temps de te suivre. Si tu as un fossile, n'hésite pas à me le donner. Je pourrais le faire revivre avec cette machine unique en son genre. Bon, y en a une dans chaque version, mais... Mais c'est pas grave. Vous êtes des disciples, il a dû vous parler des fossiles, quand même. Non! Il est tête en l'air, vous le savez bien. Les fossiles... L'assistant, la grotte étincelante! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je crois qu'on a que ça à faire. Je sais même pas où elle est. Il y a que des grottes ici, c'est incroyable. Est-ce qu'on avait été ici? Ouais. Faut avoir une bonne mémoire visuelle. Aquarium de roche sur griffe. Ah, c'est marrant, ça. Normalement, c'est dans les villes hauts. Qui a des aquariums et pas dans les villes roches. Mais t'es sûr qu'il y a un champion ici, là? Parce que je vois pas d'arène. Le type normal. Y a pas de Pokémon, c'est nul. T'es sûr que c'est normal, là, que les aquariums soient vides? C'est un problème d'ovulation, non? Problème d'émulation, c'est complètement con, là, sinon. Je peux même pas regarder les étiquettes. Des Magikarp. La route 8, roche sur griffe, rejoint la ville. Vous devrez plus de Pokémon. Ok, c'est pour pêcher, hein, s'ils veulent. Je sais plus comment ça marche dans cet épisode. Enroulé, exclamation, ça a l'air classique. Des fois, ils changent. Falaise muraille. Passe muraille. Sûr que c'est par là, la grotte. Avec mes empreintes de sable qui s'effacent au fur et à mesure. Mago. J'ai trouvé le mago. Ça, c'est un truc avec l'éclatroc, hein, les rochers comme ça, là. Attendez, je suis tout. Roche sur griffe. Sur glyphe. Où est-ce que je suis? Ah, splendide. Une perle à revendre. Je me la mets dans la poche. C'est marrant, celui-là, il a l'air différent des autres. Allez, je speed. Je vais essayer d'aller là où il y a la nageuse. Mais... Et en essayant de pas déclencher le combat, ça va pas être facile. Ouais, c'est bon. Quoi? Halt, stop. D'accord, c'est pas un combat. Vous ne pourrez pas passer, je fais l'objet, rien. Toutes mes excuses. D'accord, ok, c'est pas un combat. Je croyais. C'est quelqu'un qui nous empêche de passer. Bon, ben, c'est pas par là. Hein.
Où est-ce que ça peut être le... Ouais, c'est ça, c'est marrant. J'appuie sur le bouton annuler et ça ferme le truc. Pas besoin d'utiliser le stylet. C'est énorme. Où est-ce qu'elle est, cette grotte à la con? Voir la carte. Elle est pas sur ma carte. Ok, d'accord. Je me trompe de bouton. Utiliser. Ça, c'est quoi? Bureau, hôtel, aquarium? C'est quoi ce truc vert, là? J'arrive pas à aller dessus. Ah, grotte étincelante! C'est à droite? Mais non. Mais... Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? On y vient. Bon, de toute façon, c'est pas par là. Quoique... C'est à droite. Essaye celui de droite. Ah, c'est par là. Ok. De droite. La chasse à la grotte, Rhinocorn. Rhinocorn, à l'attaque. Ah, oh bien, un casque brut. Ça... Quand je subis une attaque physique... Ouais, tu vois. C'est pas vraiment ça. C'est plus efficace si t'as certaines capacités. Ça fait plus de... Ça fait des dégâts. Si tu subis une attaque physique ou une attaque de contact, encore une fois. Rhinocorn. Oh putain, je me souvenais plus qu'il y avait ce... D'accord, ok, ça fonctionne comme ça. Je me souvenais plus qu'il y avait ces histoires de terrain accidenté, là. Je croyais que c'était que dans le... je peux pas courir ni rien. Non, je refuse. Prends ça. Ok, c'est des terrains accidentés. Il y avait ça aussi dans Sun and Moon. Prends ça. Voilà, je peux descendre. Pour ramasser ce machin. Pourquoi pas, ça nous sera peut-être utile. Et là, ils prennent leur temps, hein. Avant le prochain combat. Le prochain champion. Je le voyais pas si loin, tu sais quoi. Je vais aller ici, là, ça semble évident que c'est le... C'est quoi cette maniabilité? Non, il y a des combats aléatoires ici. T'es pas sérieux? Un hippopodas. Quoi? Votre monture quoi? Elle a marché sur un Pokémon. Voilà, les effets de la météo. Ah oui, c'est peut-être ça qui a changé, je crois. Avant, quand t'avais un Pokémon genre... Vous vous rappelez, je l'avais utilisé dans la partie bonus de je sais plus quelle épreuve, Fenard. Quand il avait Canicule, en fait, il y avait que lui et Groudon, il me semble, qu'ils l'ont. Enfin, comment ça s'appelle? Sécheresse. En fait, dès qu'il arrive, il fait comme ça, là. Il balance un effet qui augmente le soleil qui brille. Je recule. Mais en fait, ça restait tout le temps! En permanence! À moins que tu mettes Ciel Gris... Ou danse pluie, auquel cas, y aurait la pluie qui tombe et qui remplace la sécheresse et qui se finirait en 5 tours. Et après, ça redevient normal, la pluie. Mais sinon, la sécheresse, ça dure tout le temps! Uniquement si tu l'utilises avec ce talent. Mais là, je crois qu'avec... Putain, mais dis pas qu'il y a un combat, là, devant. Je crois qu'avec... Avec XY, ça a été nerf. Hein. Maintenant, ça dure que 5 tours et basta. Hein, comme quand tu lances Zénith. Allez, détruis-le! Pour ça, je crois qu'il faut aller à gauche. Et voilà, et à droite pour le chemin de traverse, entre guillemets. Alors, faut voir si je peux y aller. Lui, il va m'aggro. Hein. Ah putain, c'est pas ici? C'est un kinésiste. Non, un ornithologue. Faut voir si j'y vais, là. Ouais, pour déclencher le combat... Tu n'as pas de Pokémon, les dresseurs aériens se battent qu'avec des Pokémon volants. Ok, je l'ai fait avec Dracaufeu, il me semble. Ok, il veut faire un combat aérien, s'il veut. Je sais pas si ça change grand-chose, hein. Sombre Ball. Je sais plus ce que c'est que ce machin. Il faut pas lui parler à lui directement, t'as vu, faut... Par contre, j'ai vu que j'avais raté un objet, là, c'est quoi ces conneries. Il est un peu lent.
Quoi? Comment on y va ici? Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Peut-être on peut pas y aller tout de suite. C'est dur! Pouit! J'aime pas lui parler à elle. Mais putain, qu'est-ce que... Quand on appuie sur la touche de droite, on monte quand même dessus. La corde sortie permet... Allez, j'y vais. Oh putain, la vache, c'est très très zoomé. Allez, je sauvegarde, s'il vous plaît. Voir si je parle à l'autre trou du cul, quand même. Facile de se perdre, je te conseille d'avancer. Allez, on y va. Pour l'instant, il n'y a aucun combat d'envergure, j'ai envie de dire. Ouais, tu vois, c'est très space, cet endroit. Ça fonctionne un petit peu comme Illumis. Un Pokémon m'a sauté dessus. Ah ben, un Rhinocorne, génial. Prends ça. On vient d'en monter, hein, à l'instant. Je peux pas avancer, là? Ah si. Putain, font chier! C'est quoi c'est quoi ce donjon, la boire moelle-neu, là? C'est où, la suite? La suite, vite, la suite! Tut! Mais c'est bizarre! Il y a ces espèces de ronds noirs. Oh bien! Un Solar Rock! Il y a Psy Roche. Et regarde, quand le combat est fini, t'as vu? Ça a disparu! Mais là, il y a que dalle, là! Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est forcément Rhinocorne et Solar Rock? Je pense pas. Et t'as vu, là, je peux continuer. C'est un truc qui m'empêche de passer, c'est un petit peu étrange. Oh putain, plein d'endroits différents. C'est labyrinthique. C'est celui-là en premier. Voilà, tu vois ce machin là devant. À chaque fois que je le touche, il y a un combat, je m'en rappelais plus de ça. C'est un petit peu étrange. Machoc. Mais apparemment, il n'y a pas de combat aléatoire. Hein. En dehors de ces combats-là, tant mieux. C'est pas là qu'il y avait une méga gemme. Une méga gemme pour... comment il s'appelle? Putain, c'est labyrinthique au possible! Pour Ténéfix. Ou Ectoplasma, ou je sais plus quoi. De toute façon, tant qu'on n'a pas le bracelet, la méga gemme, ça sert à rien. Et inversement, malheureusement. Ah, voilà, une CT, griffe ombre. Je pense pas qu'on puisse l'utiliser. On peut apprendre une attaque spectre, mais c'est pas celle-là. Ça, c'est physique. C'est balle ombre, et je pense qu'on va le prendre. Pour plus de diversité. C'est con que ce soit pas le cas, d'ailleurs. Parce que les attaques spectres, c'est utile, hein, dans certains cas. Tut! Contre les Pokémon spectres, contre Gardevoir, par exemple. C'est les rocs! Espèce de scélérave. Je vais t'apprendre. Je pense que ça nous serait utile. Hein. Parce que là, le problème, c'est qu'on va sweeper comme un porc. Hein. C'est un petit peu comme... c'est là, la fin. On a raté des trucs, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? Un membre de la team Flair! Toi! Tu es un témoin gênant. Bon, le problème, c'est que eux, on est obligé de les battre. Hein. La team Flair! C'est la team de... Merde, je sais pas ce que j'ai répondu. Ah, il me laisse me préparer, c'est ça? Ouais, j'ai quand même envie de retourner en arrière, tu sais quoi. Mais faudra se rappeler que c'est ici la suite. C'est la team de méchants de cet épisode. Apparemment, ils sont spécialisés... Ah non, ça repop, c'est saloperie! Ils sont spécialisés dans le type feu. Est-ce que j'avais été ici? Ça, si j'avais su, je serais pas rentré là-dedans. Osley! Prends ça! Y a pas encore de forme. Forme de Galar, forme de Kalos, etc. Y en a pas hein, dans cet épisode. Je suis sûr que j'ai oublié des objets, fais chier! Ça pourrait nous être utile, hein. Oh là, c'est casse-couille. Non, c'est pas grave, je vais revenir en arrière. Sinon, ça va être trop chiant. Faut voir si... Parce que je me souviens plus, en plus. C'est ça, le problème. Et c'est bourré de... C'est bourré de...
de cul-de-sac et tout ça, donc c'est trop labyrinthique. Apparemment, ils utilisent des Pokémon feu, non? On va voir avec lui. Tut! Alors, cette fois-ci, t'es prêt? Je suis méchant, mais je te laisse me... Non, je vais pas disparaître. Tiens! Ils sont un petit peu nuls à chier. Mais... Ouais, c'est ça, regarde, t'as vu? Malos! Mais ils sont mieux que certaines autres teams, j'ai envie de dire... qui était là que pour être là. Bon, étant donné qu'il est feu, ténèbres, on lui fait des dégâts normaux, voilà, x1. Parce que t'en as un qui est résistant et un qui est super efficace pour sa saloperie. Voilà, bien joué. Tu vois, c'est trop facile, là. Bah même lui, il est trop puissant, bah putain. Heureusement qu'on n'a pas nos EV à fond, hein. Alors lui, il est poison. C'est pour ça que j'aimerais une attaque psy, bordel. On en a qu'une, hein, c'est psy-choc. C'est choc psy. C'est en fait ça franchement c'est pas mal, ça va nous être doublement utile, je pense. Tiens. Parce que s'il attaque en premier, ça peut foutre la trouille hein, ce truc. Je vais faire vampi baiser. Parce que non seulement bah, c'est super efficace contre les Pokémon poison qui je le rappelle sont l'une de nos faiblesses. Oh là là, on up trop là. Et en plus en plus, comment as-tu osé me battre? On va dominer le monde, comme toutes les autres teams. On a des idéaux. On fera tout pour pour les faire. Donc honnêtement, c'est... Bah, pour l'autre, faiblesse, le type acier, ce sera... puissance cachée de type feu. Hein, on peut voir la gauche, là. Et... Donc, putain, fait chier, tu vois, on est obligé de les battre, là. Franchement, c'est casse-couille, hein. Et là, c'est la fille, maintenant. Et ouais, c'est, Gloopty. Donc, pour eux, là, tu vois, Pokémon de type poison, bah, je fais choc psy. Et donc, c'est super efficace, et donc, ça le détruit, y a pas de problème. Et ben voilà, je suis complètement détruit. Prends ça. Mais, tu vois, là, ça leur est one-shot, hein, à mon avis. Mais ça a un autre intérêt. Prends ça. Voilà, ça c'est le problème. Super efficace. Ça a un autre intérêt, c'est que c'est une attaque de type spécial. Donc comme météore, balombre, tout ça. Pouvoir lunaire. Mais ça utilise la défense physique de l'ennemi pour calculer les dégâts. Pas sa défense spéciale comme toutes les autres attaques spéciales. Ça utilise notre attaque spéciale, mais sa défense. T'as vu, c'est très spécial hein, comme truc. Il y en a quelques-unes des attaques comme ça, mais ça, faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que si on tombe sur une éponge spéciale, qui se prend que de la merde si tu l'attaques sur le spécial, eh ben ce truc-là... Bon, par contre, faut pas qu'il soit résistant aux attaques psy. Hein. Eh bien, comme un ténèbre, par exemple, ce serait catastrophique. Hein, totalement insensible. Eh bien... Oh, c'est quoi? Je me fais attaquer, là. Eh ben, ça utilisera sa défense chauve-sourire. Sa défense physique et pas sa défense spéciale et on lui fera des dégâts colossaux. C'est pour ça que je dis que c'est doublement utile hein, pour nous. Franchement, je pense qu'on n'est pas dégueulasse. Hein. Tut! La Team Flair cherche un fossile. Vincent, je vais t'aider! On sait jamais que t'es qu'un seul Pokémon. Je pense que le moment est idéal pour des amis de faire équipe. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi on répondrait non? On utiliserait ça la mèche, si c'est le cas. Je préfère faire comme ça. Hein. Utiliser que Noctalie de mon côté. Oh ben ils sont que deux. Bagiguan et Crapaudo. Non, Cradopo, on a dit. Je vais utiliser Météore. Quoique. Attendez, est-ce que... Tu vois que dans cet épisode, ils mettent pas encore... je crois que c'est apparu avec Sun and Moon, non? Ouais, je crois. Je sais plus. Ils mettent pas encore super efficace, tu vois. Là, ils le mettent pas dans le combat. Parce que c'est une aide, hein. Évidemment, vous voyez ça dans Let's Go, tout ça. En fait, tu l'utilises pas au début. Pas quand tu tombes sur un Pokémon la première fois. Mais une fois que tu l'as battu une fois, si tu retombes contre lui, bon là c'est le cas hein, pour ces deux-là, ils vont te mettre super efficace pour ça là. Météore, Vampi Baiser, tout ça. Ça, admettons que c'est le type normal, mais ils vont juste te mettre sensible. Bon, on y va, hein. Je crois, lui, il est poison.
poison combat, lui il est dark combat. Bon, je suppose que ça va leur faire des dégâts non négligeables. Prends ça ! Voilà, ben les deux one shot. Coup critique. On n'est pas du tout puissant, c'est ça qui est bien. Putain, je pensais pas que Nymphalie il était aussi puissant. Oui, t'as vu, ça m'a marqué. Nymphalie a gagné un total de 500. Ça a fait la somme des deux. C'est pour ça que, au lieu de faire 200 plus 300, c'était un petit peu relou. Voilà. Ben voilà, on a même pas eu besoin d'elle. On est complètement pété. Merci Serena Williams. Étude. Restaure les fossiles. Il me l'a... Qu'est-ce qu'elle a dit là ? Le rôle partenaire, il faut retrouver l'assistant. Oui, ben on l'a vu. C'est le laborantin là qui était à gauche. Avec la vue. Ouais, lui là. Oh merci, je me planquais, bah ça c'est pour sortir, je crois qu'on va le faire hein, d'ailleurs. Sinon, si t'as tunnel, tu peux le faire ad vitam eternal. Eternam, ou téléporte par exemple, je crois. Hein. Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est un petit peu la misère. Vous êtes venu chercher les fossiles, tout va bien, la team flair, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau Pokémon? Viens de retrouver deux profils, je vous en fais cadeau, mais je vous en donne un chacun, c'est compris. Alors, mâchoire, c'est pour avoir Rexilius, il est roche dragon. Il est assez puissant quand même. Et fossile nageoire, c'est pour avoir... Eh ben, je sais plus, hein. C'est qui? Je vais prendre mâchoire. Oui! Je sais plus c'est qui, le fossile nageoire. De toute façon, les Pokémon fossiles, ils sont forcément de type roche, hein, tout le temps. T'en as un roche-plante, roche-insecte, roche-eau, comme Kabutops, etc. Mais là, eh ben, il est quoi, le nageoire? Il est roche haut, lui aussi? C'est bizarre, je me souviens plus c'est qui, bordel de merde! Ça me perturbe, maintenant. Bon, faut retourner au bureau mes couilles, là. Néanex, drôle d'oiseau, pourvu la suite du voyage, la reine Réphiliac. Ben si, voilà! Tu vois bien qu'il y a une arène, là. Rexilius! Il rigole pas, hein, c'est une brute, hein, c'est un T-Rex. Hein. Force nature, griffe ombre. Tu vois, lui, il peut, là. Ouais, 70 en puissance quand même. Je vous conseille de lui mettre. Eh ben, elle est où la corde sortie? J'en avais déjà une? Eh oui, c'est ça. J'en avais deux. Et maintenant, j'en ai plus qu'une. Ah, vite, 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 vite. Ah ouais, ben encore heureux, hein. Et voilà mon rhinocorne ici. Faut voir si c'est un dresseur, elle. Mon rhinocorne, il est pas vraiment là où je l'avais laissé, t'as vu? Ouais, ben, il faut quand même refaire le chemin. Oh, bien! D'accord, ok. Guérir l'équipe. C'est pas de refus. Pourtant, c'est pas une infirmière. Les rochers ont repop, désolé! Ça repousse plus que de la chienlit, ce truc. Mais ça, par contre, c'est un petit peu relou, quand même. Prends ça! T'es sûr que je peux pas speeder avec lui, là? En plus, il arrête pas de marcher sur des Pokémon. Ouais, pas mal, lui, là. Je l'avais envisagé, hein, Mascaïman et Escroco, son évolution finale. Je l'avais envisagé, parce que lui non plus, il rigole pas, hein. Il est Dark Sol. Il est pas mal, hein, franchement, il est loin d'être dégueulasse. Hein. Je l'avais utilisé d'ailleurs, hein, dans l'un de mes solo type challenge. Donc c'est pas des vidéos, hein, c'est des trucs que je faisais en off. J'avais commencé par le type O, avec Ondine, c'était la première fois, je crois. J'avais pas galéré du tout, il me semble. Et à chaque fois, c'était dans Black and White 2. Parce que je modifiais le sprite du perso, tout ça. Pour ça. Je les ai pas tous faits, hein. Les solo type challenge, je m'étais arrêté à Mortimer. Avec le spectre. T'as vu, regarde. Là, il remplace la pluie. Il l'a remplacé par le sable. Salaud. Ça fait un mélange des deux. Là, t'as vu, la pluie, c'est aléatoire. Hein. Et quand il pleut, ben, ça déclenche la pluie dans les combats. Mais il peut pas y avoir la même chose avec... avec le feu. Alors, où est-ce que c'est ton arène à la mort moelleux, là? Faut retourner au truc. On est un petit peu lent, je m'en excuse. C'est sûr que je le connais pas aussi bien que les autres. Fossile... Oui, voilà, t'as vu? Le retransforme en Pokémon. Comme d'hab, hein, dans chaque truc. Il paraît que mon assistant, je vous remercie... Oh, bien! Ptéraïte! Excellent!
Notre première... première ou deuxième, je sais plus. C'est dans les objets clés. Hein. C'est ça, les méga-gemmes. Vieil ombre, profil... Mégaptera, il rigole pas. Hein. Déjà que celui de base, il est puissant, donc... il est rapide et puissant. Là, Mégaptera, c'est pas de la merde, hein, à mon avis. Donc c'est notre première gemme, c'est ça? Donc elle est dans la poche... Ah non, on avait eu... c'est ça, oui. Un Dracofeu confit. Ah, ça se met ici, c'est marrant. C'est mélangé avec tous les autres, c'est un petit peu naze. Parce que ça, c'est un espèce de fourre-tout, hein, la première poche. C'est un petit peu immonde, hein, quand même. Bon, où est cette arène à la mort moelle-neu, là? 10 minutes, est-ce qu'on peut la faire? Ah, on peut la commencer, mais pas la faire, je pense. Mais où est-ce qu'elle est? Ah, c'est l'autre qui nous empêchait de passer, là? Je sais plus ce qu'a dit Serena, bordel, j'ai pas fait attention. Mais c'est quand même étrange que l'arène soit si loin de... soit si loin de la ville. Et partir définitivement de la ville! T'es sûr que c'est ici, là? Ça me semble bizarre, quand même. Faut voir ce qu'elle va me dire, l'autre, là. Si elle m'empêche encore de passer, c'est que... Ah, putain, mais... Le cherche-objet n'a pas vraiment son pareil avec lui, là. Je crois qu'elle va nous laisser passer. Voilà, bien. C'est pour trouver les objets cachés, hein, sur le sol. Et rouge, avec des baguettes de sourcier, hein, ça fonctionne un petit peu différemment. Bien, je peux passer. J'essaie de zapper ces trous du cul, là. Attention, ça, c'est un dresseur. Hein. Ça aussi. Tu peux pêcher, à ce que je vois. Tu es comme nous. Tu es des nôtres. Ouais, pour l'instant, je les ai bien esquivés. Et voilà, Relifac, le haut. Ben, c'est là, l'arène. Le champion, le roi de la montagne, c'est au sommet qu'il vit. Il m'a battu à course, je prendrai ma revanche. J'aurai enfin ma revanche! Voir eux, là. Si on donne, l'échanger, cadeau. Oui, ça peut être pas mal quand tu fais des échanges de lui donner un objet. Un objet tenu. Bien! Chanty bonbon, c'est que ça, là. Pokémon, les mêmes goûts. La mousseline. De la purée mousseline. C'est un des nouveaux objets, hein, de X et Y. Bon, on n'est pas dégueulasse, hein, je suppose. Mais c'est vrai que je le voyais pas aussi puissant, un Nymphali. Pour l'instant, on est relativement inarrêtable. C'est de là qu'on vient, là. On est relativement puissant, je dois dire, je m'y attendais pas. La pêche donne rien, la marche. La course à pied. C'est pas rare qu'il y ait des objets cachés dans ce genre de truc, hein, surtout quand ils sont dans les coins comme ça, là. Tu vois, c'est pour ça que je les fouille tous, hein. Là, je passe à la plage, au lieu de passer par la ville. C'est assez énorme. Un petit peu étrange, cette ville. Beyoncé... Les objets tenus, filent mal au crâne, les points forts, la vitesse... Café! Bonjour, un café, s'il vous plaît. Le café truculent... laissez bien tenter... Non! Je crois que c'est des cafés de combat, hein. Conseil au dresseur, enseigner les CTCS. Bah oui, j'aimerais bien, mais j'en ai pas. Il y en a que 3 qui m'intéressent. 3 ou 4. L'hôtel des... Ah, il y aura l'autre avec les Ofriora. Bien. Repos. Ça, tout le monde peut l'apprendre, ou presque. Et blabla dodo. Que tu peux... C'est spécial ou physique, ce truc? Je sais plus. Hein. Ah, c'est au hasard. Ouais, d'accord. Non, c'est pas ronflement. Ronflement, ça te permet d'attaquer. Et ça, ça sélectionne aléatoirement. Si tu te fais endormir et que t'as 3 autres attaques, ben ça en utilisera aléatoirement 3 autres. Ben, c'est un peu con, quand même. Bonjour et bienvenue. Acceptez ça. Nœud destin, bien joué. Je sais plus c'est quoi, ce machin. Vacances. Non, mais c'est sûr qu'il est là, l'autre. Je fouille toutes les chambres, on sait jamais. Bah, le v'là. Le chemin se croise vers... Le truc pour l'argent, je suppose. C'est ça. Plus d'argent. Tiens, je vais te le donner. Ah non, c'est gain. C'est les points d'expérience. Quoique. Ah ben non, les argents. Dans ce qu'il avait dit tout à l'heure, ça avait rien à voir. Hein. Il disait toujours la même phrase. Bon, au moins, on est arrivé à la ville où il y a la prochaine arène. C'est déjà ça. Et Corina, en fait, ce sera la 3e arène. Ça nous fait un sursis.
Alors qu'en fait, on est censé avoir le dessus, hein, mais bon. Bonjour, que direz-vous à la rafraîchissement 300... 12 bouteilles, hein, pourquoi pas. Ça fait combien? 12 x 300. 300, le film de Gladiateur. On était déjà venu ici, là. Ils ont deux magasins. Fait chier ça, la mèche, là. Il va me casser les couilles. Il va interférer avec les combats et tout. Love Disc contre... Oh, je l'avais eu! C'est là, Mégascolide? Oui, oui. J'avais été fait exprès d'aller choper un Love Disc. Et de... Parce que j'avais pas encore... j'avais pas de Onyx avec la peau métal. Donc, et en fait, je l'ai utilisé jusqu'à la fin du jeu, quoi. Et il donne un Stylix qui s'appelle Mégascolide. Et c'est lui que j'avais utilisé, quoi. Dans ma partie, c'est assez énorme. Mais t'as vu, ça peut être excellent. Non! Vu comment vous me remerciez, c'est pas la peine. Pokémon d'un même espèce, Lino. Lino Ventura, faut voir, acheter. Ah, ça vaut pas forcément le coup. Peut-être s'il faut, on est en manque d'objets, hein. En manque d'objets de soins et tout ça. Les potions normales, ça nous sert plus à rien, maintenant. Alors, je crois que cette maison est intéressante. Bonjour, Monsieur Bond. Voilà, c'est pour augmenter le bonheur, hein. Bon, nous, ça nous sert pas à grand-chose, mais bon. Tu vois, mais... Tu peux pas choisir le Pokémon, c'est un petit peu naze. C'est forcément celui qui est au début. Si t'as 6 Pokémon, c'est forcément le premier que t'as mis en haut à gauche. Voilà. La preuve, hein, elle m'a demandé Nymphalie alors que j'avais ça à la mèche. Et elle peut check les... Faut voir. Ah non, même pas. C'est pas elle qui peut check le bonheur. Mais elle fait un massage, elle se permet chaque jour. Faites-le, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à appeler Simone. Si vous avez un Pokémon qui évolue qu'en bonheur... faites-le, hein, ce truc. Revenez ici chaque jour et... Mais il faut s'en rappeler, c'est un petit peu ignoble. Oh, les cycles Rodolphe, fais voir. Bonjour. Est-ce que vous voudriez tester un appareil? 10 001e. Depuis l'ouverture, vous auriez reçu... Ah, c'est pas de bol. Oh, putain, ce troll. Vous avez manqué de peu, je suis prêt à vous le donner quand même. Alors, les bicyclettes sont-elles disponibles en plus... oui, je suppose. Regarde, là, on en voit une jaune et une verte. Ah, ça m'étonnerait. Eh ben non, c'était le... C'est la bonne réponse. Prendre un grand soin, voir quelle couleur... Ouais, il n'y a que jaune et vert, c'est dommage. Moi, j'aurais préféré bleu. Je vais prendre la verte. On peut pas l'échanger? Eh ben voilà, la bicyclette, ça a pas traîné, hein. Donc on a le mode de déplacement le plus rapide. Heureusement qu'on l'a vu, hein. Je vais l'attribuer à la touche select, hein. On l'a pas encore fait pour l'instant. Alors, sac. Et non pas au nez select. Regarde, bicyclette enregistrée. Voilà, tu vois, c'est en jaune. Mais je crois que je peux en avoir plusieurs, hein. Ça te fait apparaître un menu comme ça, directement, où il y en a plusieurs. Du coup, ça fait deux touches au lieu d'une. Mais... C'est pour ça que je préfère en avoir que un, en fait. Quitte à changer sans arrêt. Faut voir, select. Non, c'est pas ça. Carré. Voilà, splendide. Avec le thème, là. Ah, c'est énorme. Là, on est à vitesse maximum. Là, les patins, ça sert plus à grand-chose, hein, maintenant. Quoique. Alors, elle avait pas dit que... Ah, je peux pas monter, là. Comment ça se fait? Dans la course de relais, je dois me battre mon équipe, vice-versa. Alors, attendez. Et si j'y vais à Donf, là? Il y a les flèches, hein. Ouais, c'est que dans un sens. Alors, qu'est-ce que... Elle a dit qu'elle était où, la reine, déjà? Je crois qu'elle est en haut. En haut de la ville. Je vais quand même regarder ce qu'il y a en bas, là. Ce qu'il veut, lui. Il y a d'autres maisons ici, c'est un petit peu étrange. Donne un Pokémon, échanger un ami. Oui, bah ça y est, on y a déjà été, là. Ça peut être pas mal, je disais, quand tu fais un échange avec un pote, de lui faire tenir un objet. Oh, bien! Une huile. Il doit se trouver sourd ou nil. Non, une huile, on a dit. T'es sûr que c'est pas ici, là? Ah si, regarde! Je suis en train de... Tut! Je suis en train de monter. C'est lui le champion? Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. La course... Oh, force! On va le mettre à ça, la mèche. Alors qu'on vient d'avoir coupe, ça c'est énorme. Oui, voilà. Le badge de cette arène. La sienne. Donc faut aller par là? Mais je suppose qu'on peut la refaire, hein, la course. D'abord, je vais aller ici.
Tu sens que c'est un endroit qui est fait spécialement pour la bicyclette ici. Je vais sauvegarder, s'il vous plaît. Putain, ça fait une heure. Je vais juste essayer de tenter de ramasser le... Ah merde, c'était ici. Je vais essayer de tenter. Voilà, mais t'as vu qu'il y avait une grotte aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? C'est la grotte mystère. Ah d'accord, ok, je vois, c'est un raccourci. Y a pas un objet en bas, là? Donc je peux apprendre l'attaque à Salamèche, mais je peux pas... Je peux pas m'en servir tant que... Alors, je peux pas m'en servir en dehors des combats. Tu vois, je vais faire select mes couilles. Voilà. L1, R1, select, pour revenir au début. Mais je peux pas l'utiliser sur le terrain. Voilà, tant que j'ai pas le badge. Alors, fais voir, je fais ça, s'il vous plaît. Faut pas aller trop vite, là. Ouais, spécial plus, s'ils veulent. On va aller devant l'arène et on va se laisser là. La reine de cœur. Ouais, c'est là. Hein. Ah, merde. Défense plus, ok. Par contre, je crois que je peux pas remonter. Ouais, c'est ça. C'est la mauvaise nouvelle du jour. Sauf que je me souviens plus. C'est par là, je crois. Voilà. Voilà, c'est juste à côté. Et voilà l'arène. Même s'il n'y a pas de... Putain, le fait de l'activer, désactiver avec la touche carré, ça me... Voilà, c'est ça. Lino, le grimpeur doux. Donc, il est de type roche, hein, normalement. Oh, bien, protéines. On est... On a ni l'avantage, ni l'inconvénient. Enfin, ni le dessous, ni le dessus. Enfin, quoique, ça dépend. Hein. Encore une fois, s'il est un Pokémon roche ténèbre ou roche poison, ben là, on aura l'avantage et le dessous. Bon, allez, écoutez, ça fait une heure. On se retrouve à la cinquième partie pour pour cette arène. Et peut-être la suivante. Peut-être les deux en une seule partie, allez savoir. Je sais pas, ça dépend de ce qu'il y a entre les deux. On verra bien. Allez, à plus.